C'est la question de l'identité, en fait. Question forte. Donc, question d'identité dans les groupes, finalement, où on a là aussi un curseur entre une forte abstraction de soi, c'est-à-dire très forte unité dans le groupe, une identité sociale qui crée finalement un moment, question de je suis au service d'eux ou je suis dans, d'accord ? Des identités catégorielles qui peuvent se créer, donc il peut y avoir des vraies dualités dans différentes sous-catégories, ou l'identité personnelle, finalement, qui peut être très diverse dans l'équipe. Très souvent, on observe la création de ces sous-groupes dans des équipes, en fait, auxquelles il faut être très attentif. Parce que ça peut très vite finalement se dérégler. Donc il faut être conscient que, alors dans le rugby professionnel c'est apparent, mais pas que dans le rugby professionnel, mais c'est voilà, le rugby professionnel permet de voir des choses, de repérer des choses un peu plus facilement. Donc il peut y avoir des sous-groupes de postes très rapidement avant trois quarts, les sous-groupes titulaires remplaçants ou partenaires d'entraînement, les sous-groupes valides blessés, sous-groupes culturels. Des sous-groupes de conflits managériels pour l'entraîneur contre l'entraîneur, sous-groupes jeunes contre anciens, voilà. On a des créations de risques de sous-groupes. Chaque fois qu'il y a des sous-groupes qui se créent, on est donc dans des zones de risque pour la cohésion globale de l'équipe. Donc il faut être attentif à ça et il faut dire, donc il faut trouver finalement les stratégies, l'organisation qui vont permettre de contrecarrer ces créations de sous-groupes qui peuvent se faire très très rapidement. Donc il y a sur le culturel ou sous-groupe étranger, français, enfin il y a plein de choses qui peuvent se créer. Donc il faut être attentif à ça et trouver les moyens, si jamais on se retrouve dans les créations de sous-groupes, de finalement retourner vers des questions d'intégration et d'attractivité, en fait. Voilà. Ça peut être une question de dire l'identité. Moi, je ne m'identifie pas à mes équipes. Je m'identifie plus à un des sous-groupes qu'à l'équipe proprement dite. Ça se crée très vite. Alors, comme d'habitude, quand il y a des problèmes de résultats, souvent ça renforce cette idée-là et ça renforce la création de sous-groupes éventuellement, situation un peu de crise, dans les clubs, qui aboutissent des fois à des crises majeures. Voilà. Donc l'idée, c'est quand même, dans le secteur professionnel ou dans le secteur type équipe espoir, qui est une équipe très 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 compliquée, qui est-ce qui s'occupe d'espoir, d'espoir de club professionnel? Est-ce qu'il y en a ici? Non. Là, il y a tout le bordel possible, des joueurs qui sont avec les pros en permanence, des joueurs qui sont avec les pros toute la semaine et qui jouent avec les espoirs, des joueurs qui s'entraînent avec les pros mais qui finalement font la bascule, qui sont un peu mixtes, des joueurs qui sont au centre de formation et d'autres qui ne sont pas au centre de formation, des joueurs qui sont là uniquement pour faire l'équipe et qui savent très bien qu'ils ne resteront pas au club, des joueurs qui sont en position intermédiaire et qui disent rester. Voilà, on a un bordel innommable dans les statuts, une chose comme ça, qui fait que c'est une équipe extrêmement difficile à gérer du point de vue de la cohésion. Donc, c'est le genre d'équipe sur lequel il faut travailler sur les processus identitaires, sur l'identité de l'équipe, hein, avec tous les éléments que vous pouvez connaître. Donc ça, c'est le travail d'identité d'équipe. C'est le travail qui est fait actuellement sur les grandes fédérations de sport co. Donc c'est la Fédé c'est nous au rugby qui avons initié ce travail-là avec des gros moyens mis en œuvre. Il y a des grosses recherches qui sont faites justement sur l'identité d'équipe, l'identité des groupes, en collaboration sur ces différentes fédérations dans l'objectif des Jeux Olympiques. Voilà, donc, pour développer l'identification au groupe. Et donc là, par contre, il y en a parmi vous qui sont aussi sur des questions problématiques sur les équipes Goderman, à la mercerie, Kravos, dans lequel il y a aussi des statuts différents, des émotions différentes. Il y a plein de choses aussi qui sont un peu difficiles. Donc favoriser les échanges, limiter les sous-groupes. Donc équité et soutien de la part de l'entraîneur. Là-dessus, il faut faire très très attention.
Donc mettre en avant l'aspect unique et distinctif du groupe, il y en a certains qui l'ont évoqué. Des objets représentatifs, donc drapeaux, chansons, habits, autre chose, enfin, des éléments qui marquent, l'équipe, voilà, qui est issu de l'équipe. Les échanges qui ne sont réalisables, les charges qui sont réalisables qu'en collectif. Alors, ça, intéressant, rugby, il y a plein de cas possibles en prépa physique, et ainsi de suite, dans lequel finalement du challenge où on va y arriver en équipe, c'est-à-dire la tâche à réaliser n'est réalisable que, par exemple, avec 5 joueurs, quitte à ce qu'on cède, hein, à transporter l'autre, pour faire gagner du temps, et ainsi de suite, et finalement, on challenge en équipe, avec de la collaboration. Le travailler sur on est tous ensemble pour empêcher que le groupe soit menacé et que l'équipe soit menacée. Un partage du leadership. Alors, vous l'avez évoqué, on va en parler tout de suite. Alors,